Et salut tout le monde, c'est Faredj et bienvenue dans ce troisième épisode de Final Fantasy VI. Ça me fait tellement bizarre de dire ça vu que c'est la première fois que je joue à ce jeu quoi. Bon alors souvenez-vous, Kefka avait mis le feu au château du roi Edgar et bah on va voir ce qu'il en est. Livre-moi la fille. Je ne sais pas où elle est. Dommage. Je devrais dire qu'elle a péri dans l'incendie. Ok, bon, apparemment ils disent la même chose. Et je suis censé faire quoi, moi, du coup? Soldat, à l'attaque! Au feu! Mais arrêtez-le, le feu, enfin, soldat! Bon, ben, je m'en vais, alors écoute, salut! Tout est prêt? Oui, votre majesté. Oh, as-tu changé d'avis? Vas-tu me livrer la fille? Je n'ai pas le choix. Plaisir. Oh, le noble roi de Figaro abandonne son peuple. Merveilleux. Sautez. C'est bon, enfouissez le château. Yeah. Activation du mode souterrain. Admirez la splendeur du château de Figaro plongeant dans les vagues dorées. Que vous attendez? Éliminez-les! Putain, c'est plus rapide qu'un chocobo, c'est méca, dites donc! Mais c'est pas grave, on va s'en occuper. En plus, là, je peux utiliser la magie cette fois. Donc, voler, on va essayer de voler un peu, voir ce qu'ils ont. Machine, une arbalète à rafale. Je ne sais pas ce que ça fait, on va tester. Et toi, tu vas me les brûler! Avec tout ça, j'ai même pas vu ce que j'ai volé du coup. Edgar? Quelque chose ne va pas? Ah, as-tu vu ce que j'ai vu? Je n'ai quand même pas imaginé. Non? Extraordinaire, n'est-ce pas? Extraordinaire. C'était de la magie. De la magie. De la magie? Elle peut utiliser la magie? Terra? Peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé? Je suis désolé. Non. Nous n'aurions pas dû réagir ainsi. C'est à nous de nous excuser. C'est vrai. Je suis juste un peu surpris. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui peut utiliser la magie. Au fait, comment peux-tu... Peu importe. Terra peut utiliser la magie et pas nous. Vous savez qu'il y a des ennemis à côté quand même, hein. C'est tout. Qui plus est, ses pouvoirs pourraient vraiment nous être utiles. En ce moment même, par exemple. Ouais, je suis assez d'accord. Merci, Locke. Merci, Edgar. Avec le petit clin d'œil. Tes expressions faciales sont que c'est pas mal, parce que c'est très rare dans ce genre de jeu, quand même. Hein. Bon, ben, attaque. Et là, utilise l'arbalète à rafale, tu l'as pas utilisé. Ah! What? Fuck, du coup, elle gagne pas d'expérience. Ah bah, il gagne pas d'expérience, de toute façon. Gloire à Figaro! Edgar, espèce de... Ah, tu me le paieras! C'était du gâteau. Ces gens me voulaient-ils du mal? J'ai peur. Terra, je voudrais te présenter quelqu'un. Comme je te l'ai expliqué, nous sommes des membres de la Résistance. J'aimerais que tu rencontres Bannon, notre chef. La magie sera le facteur décisif de ce conflit. La magie?
La chimère a réagi à tes pouvoirs magiques. Ce ne peut pas être une coïncidence. Je n'ai aucune idée de ce qui a bien pu se passer. J'ai toujours eu ces pouvoirs. Aucun être humain ne peut naître avec de tels pouvoirs. Pardonne-moi. Que devrais-je faire? L'Empire nous poursuit. Il veut à tout prix s'emparer de toi. S'il réussit, le monde est perdu. Terra, aimerais-tu en savoir plus sur tes pouvoirs? Bannon pourra peut-être t'aider à découvrir la vérité. Edgar a raison. Il y a une grotte au sud d'ici qui mène à Figaro Sud. Allons-y. Oh, cette musique, nom de Dieu, elle est magnifique. Alors j'ai plus accès au menu quand je suis en chocobo par contre. Et je vois pas... Ah, c'est la grotte qui est là. Les déplacements sont pas évidents. Voilà, et là j'imagine qu'il faut descendre. Et ressusciter Terra. Queue de phénix. Oh, vous voyez que j'ai bien fait d'acheter les queues de phénix mine de rien. Alors, par contre, au niveau de la formation, j'aimerais bien les changer un peu. Voilà. Ingénieur, élite magitech, aventurier. Alors, peut-être lui comme ça. Voilà, on va plutôt les... Enfin, non, même pas. Terrasse... Alors, par habitude, en fait, faut savoir que, par habitude, je mets toujours le personnage, le héros principal de Final... Enfin, de Final Fantasy, en haut. Et... Alors, c'est rare, parce que d'habitude, c'est pas une fille. Là, il s'avère que c'est Terra, l'héroïne, donc on va la mettre tout en haut, suivi de Locke et Edgar. Hein. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Ça me permettra de jouer plus avec elle et pas avec Edgar. Je préfère jouer avec elle. Écoutez-moi cette musique, elle est magnifique. Votre Majesté, où vous dirigez-vous? Nous traversons la grotte pour atteindre Figaro à l'est. Ensuite, nous nous dirigerons vers le nord jusqu'au repère de la Résistance. Retourne au château et avertis le chancelier. À vos ordres, bon courage! C'est une source régénératrice. Bon, ben, ok. Et il y a une tortue au milieu aussi. Bon, là, je pense que des attaques normales suffiront. Et on se met en automatique. En fait, suffiront pas tant que ça, mine de rien. Non, 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 m'endors pas! Oh, zut! Bon, pour Lévi, ça va encore. Y'a que Terra qui a pas beaucoup de vie en fait. Je devrais peut-être la mettre. Alors, le truc, c'est qu'en fait, je devrais la mettre en arrière-garde. Parce que c'est une mage et donc. Elle est plus censée utiliser la magie. Et j'ai appris sérum, tant mieux, ça me soigne de poison, ça. Mais le truc, c'est que pour l'instant, la magie, comme je dis, j'ai peu de MP, donc je préfère l'économiser. Du coup, je vais la laisser en première ligne, pour l'instant. Le temps, en fait, de la monter un peu de niveau et tout ça, parce que sinon, en fait, en arrière-garde, faut savoir que ça n'affecte pas les attaques à distance, par exemple à l'arc ou la magie. Mais si vous mettez quelqu'un en arrière-garde, les attaques physiques directes, comme à la dague, feront moins de dégâts. Je sais pas ce que ça a fait, mais... Et après, il va falloir que je pense à soigner Terra. Ah, il est empoisonné! J'ai l'impression qu'il perd des vies. Mais il n'y a pas de petite icône, un petit statut pour dire qu'il est empoisonné? C'est bizarre. Bon, ceci dit, on va se soigner. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Un coffre, je prends le coffre. Un éther. Alors l'éther, c'est ce qui permet de regagner des points de mana, TMP. Pour ceux qui ne se connaîtraient pas, parce qu'après tout, hein. Tout le monde ne connaît pas forcément les Final Fantasy, hein.
On se calme là, hein. Là en bas, rien. En revanche, il y a un coffre, donc on va descendre. Ah, je peux pas. Ok, alors est-ce qu'il n'y a pas un passage? Non, non, hein. Ok, bon, alors dans ce cas, c'est par là. Oula, alors attendez, peut-être utiliser un peu de magie quand même, parce que là ça commence à faire pas mal. Ah bah non, ok, bon, si vous voulez faire des critiques, alors pas la peine. Très bien. Si vous pouvez faire ça à chaque combat, moi ça me va, hein, y a pas de problème. Des coups critiques, ça me va parfaitement. Alors là, j'imagine que c'est le bon chemin. Alors, faut savoir que dans les vieux Final Fantasy comme ça, il faut faire énormément de combats. Parce que on peut passer d'un passage très simple à un passage très difficile d'un coup comme ça en claquement de doigts. Donc il faut toujours être entraîné et paré au combat. Parce que sinon on peut passer de longues heures à enchaîner les combats pour faire de l'expérience. Hein. Alors par là, un coffre. Vous voyez qu'est-ce que je vous avais dit? De l'éther, c'est très très bien. Ah, attaque surprise, c'est pas bon ça. Ça veut dire que je suis en arrière-ligne, donc normalement je fais moins de dégâts. Alors oui, en arrière-ligne, je vous ai pas dit, mais les personnages qui sont en arrière-ligne subissent également moins de... Oui, je crois que je l'ai dit en fait. Subissent moins de dégâts physiques. Physique, ouais. Mais j'en fais aussi moins, comme vous pouvez le constater là. D'ailleurs, il va falloir que je pense à soigner Terra là. Alors, magie, soin. Brasier sur le monsieur. Faut pas que je la mette en mode automatique, sinon elle va refaire un brasier. Voilà, attaquer, et là on peut mettre en mode automatique. Nickel! Alors là-bas, il y a un coffre à récupérer avant de faire quoi que ce soit d'autre. Une queue de phénix, c'est très bien, parce que vu le prix des éthers et des queues de phénix, c'est très très bien de les trouver dans les coffres. C'est une économie assez conséquente, surtout en début de jeu en fait. Là, il a dû m'empoisonner, j'imagine. J'imagine. Allez, meurs. Voilà. J'ai l'impression de passer mon temps à soigner les personnages. Très bien. Il faut que les niveaux augmentent parce que sinon, ça va vraiment se compliquer. Voilà. Allez. Oh, ça m'énerve quand vous finissez un combat, vous faites deux pas, vous avez un autre combat. C'est les combats aléatoires, c'est comme ça, hein, mais c'est vraiment pénible. Voilà. Vivement que j'arrive dans la prochaine ville pour pouvoir m'acheter un peu d'équipement. Alors j'espère qu'il n'y a pas le système... Non, apparemment, là vous avez vu qu'elle a appris les sorts toute seule, Terra. Parce que sinon il y a un système pour acheter la magie, tout ça, mais ça coûte super cher, donc c'est chiant. Enfin, dans les anciens Final Fantasy, c'était comme ça. Là, si c'est pas comme ça, c'est tant mieux. Alors, vous allez voir que
Je vais, comme elle est en arrière-garde, elle fera autant de dégâts avec la magie, alors que comme vous l'avez constaté, elle fait moins de dégâts en attaque physique, Terra. Mais là, la magie devrait suffire, allez, zoom. Voilà, et tu vas me faire une petite attaque physique pour le mode automatique. Ok, on est arrivé de l'autre côté. Ah, la musique, mon dieu. Je suis désolé, mais je vais vous le dire à chaque fois, mais j'adore cette musique, elle est vraiment, vraiment magnifique. Nanana. Hop, bah oui, là vous allez voir quand je reçois des mails. Il va peut-être falloir du coup que je désactive ça pour les prochains épisodes, parce que sinon ça va être assez pénible. Voilà. Une petite nuit à l'hôtel pour soigner tout le monde, ça va faire du bien. Nanana. Ouais, j'ai vu un chevalier noir. Ah non, oui, toi. Je sais pas qui tu es, mais je sais que tu vas être un personnage de l'équipe, toi. Bon, attends, on va aller au pub après. Bon, vous voyez, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des JRPG comme ça, les petits codes, vous voyez que ce personnage est différent des autres. Donc forcément, c'est fait exprès pour que vous le suiviez. En s'équipant d'accessoires, on peut acquérir toutes sortes d'avantages. Ces bottes me permettent de courir deux fois plus vite. Bah, tu peux pas... Bah, voilà. Tu veux pas me les donner, non? Bon, attends, je vais d'abord dormir et après on en reparle, hein. Les accessoires vous permettent d'obtenir des pouvoirs étonnants. Par exemple, avec des bottes de course, vous pourrez vous déplacer deux fois plus vite. Grâce au gantelet, vous aurez la possibilité de tenir une arme des deux mains pour infliger plus de dégâts. Le code d'honneur vous permettra de protéger vos coéquipiers lorsqu'ils sont en danger. Avec des bottes Draken, vous pourrez sauter très haut et effectuer des attaques en piqué. Ouais, c'est un peu des compétences quoi. Chaque personnage peut s'équiper de deux accessoires en même temps. C'est pas mal ça. Donc ça, c'est un magasin en mode de course, lunettes argentées, ça fait quoi? Elle protège contre les altérations d'état aveugle, contre l'altération d'état fossile, poison. Permettre de déplacer deux fois plus vite, ça à la limite ça m'intéresse. Donc on va l'acheter. Et on va l'acheter que pour Terra. Pourquoi? Parce que comme c'est Terra qui est en tête, il n'y a aucune raison que je l'achète pour quelqu'un d'autre en fait. Donc accessoires, bottes de course. Voilà, donc on va y voir. Ah oui, effectivement, je me déplace plus vite. Effectivement. Oula. Alors, Dodo repos. Ah. Voilà. 80 gilles c'est la nuit. Je veux me reposer. Bon, soyez bien conscient que c'est cet accessoire qui permet de courir plus vite. Je vais pas le garder longtemps, là je le garde, en plus on peut enlever la vitesse au cas où. Bon, ah non, alors je vais peut-être pas le garder, je vais peut-être le garder en fait. J'allais dire je vais l'enlever au bout d'un moment, mais en fait si on peut régler la vitesse, du coup je vais peut-être le garder. Le château a tenu tête à l'Empire. Ah, j'aurais préféré que nous ne soyons pas mêlés à tout ça. Ce serait pas le... Il dit nous, ce serait peut-être pas le frère... Oh, je sais pas, on verra. Bonjour. On raconte que l'Empire envahit toutes les villes sur son passage, même Figaro Sud pourrait être en danger. Ah oui, ça c'est sûr. Ah! Toi! Tu pourrais au moins répondre quand on te parle. Attends, Locke, je l'ai déjà vu quelque part. Oui, c'est bien lui. Un mystérieux assassin qui refuse toute allégeance. Nul ne connaît l'identité de cet homme au regard glacial. Shadow. Il s'appelle Shadow, c'est un assassin. Si la récompense en valait le coup, il n'hésiterait pas à tuer même son meilleur ami. Nous devrions peut-être le laisser tranquille. Bon, bah alors laissons-le tranquille. Et... Hop. Dirigeons-nous... on va aller faire un peu les magasins, tiens. Vous, ça va vite, là, d'un coup, ça fait bizarre. Oh, c'est quoi, un enclos à chocobo, ça? Écurie à chocobo, c'est mignon. Bidi chocobo.
J'aime bien. Alors, attendez, on va... Ça va décidément trop vite. C'est bien sur la map monde, mais là, ça va décidément trop vite. C'est pas pratique. Alors, ça, c'est des maisons. Avant d'aller dans les maisons, j'aimerais bien voir les magasins, moi. Y a pas une armurerie? Voilà. Une armurerie, un bazar, comme vous voulez. Alors... Dague, épée, résonateur, spat, c'est quoi? Une épée à large lame. Alors, il y a plusieurs façons de voir. Si on veut être cohérent, je peux pas raisonnablement acheter... Ou alors si, non. Si on veut... Alors, il faut voir, il faut être cohérent. Techniquement, c'est une mage, Terra. Donc, elle devrait pas avoir d'épée. Elle devrait avoir des dagues, techniquement. L'autre, c'est un voleur, il devrait également avoir des dagues. Et enfin, on a le chevalier qui, lui, pourrait avoir soit une épée en mithril, soit une épée à large lame, qui pourrait être intéressante aussi. Mais apparemment, Terra, elle a la capacité de s'équiper de toutes les armes, d'après ce que je peux voir. Et je vous avoue que je serais bien tenté de mettre l'épée de mithril à Terra, de mettre la dague de mithril au voleur et de prendre la grosse épée de bourrin pour Edge. Donc on va faire ça, on va prendre l'épée, la dague de mithril. Eh ben non, la dague pas la peine du coup. Du coup ça m'arrange en plus, ça me permet de faire des économies. Regardez, j'équipe l'épée spat, voilà, qui augmente l'attaque. Ensuite, Terra, je lui mets l'épée de mithril. Et du coup, lui, je lui mets la... Alors, la main gauche, je peux pas encore. Hein. La dague de mithril. Bon, ils font moins de dégâts, c'est sûr, mais... J'essaye d'avoir une... Enfin, pour l'instant, en tout cas. Après, si ça devient trop dur, j'enlèverai la cohérence. Mais j'essaye d'avoir une certaine cohérence par rapport au... à la classe du personnage. Hein, on n'a jamais vu un voleur se battre avec une hache à double tranchant. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est un peu ridicule. Alors, par contre, bandeau. Alors, on va déjà acheter une robe de coton, un kimono, chapeau à plumes, on va en prendre 3. Et vu que chacun a qu'une seule arme, pour l'instant, on va leur mettre des boucliers larges. Alors, équiper. Pour toi. Le chapeau à plumes, en effet, le kimono. Et c'est... Non, oh, si, 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 on va lui mettre la targe. Enfin, la targe, le bouclier large, je veux dire. Un chapeau à plumes, c'est plus puissant qu'un casque, quand même, ça c'est... Faudra m'expliquer. Bon, ok. Ça, c'est bon. Bah du coup, maintenant, on peut visiter le reste de la ville, en fait. Alors, on va accélérer un petit peu. Là, y a rien. Apparemment... Non. Ok. C'est quoi, ça? Une lampe. C'est quoi, un truc d'objet d'hiver? Ouais, un truc d'objet d'hiver. Bon, pour l'instant, je vais pas dépenser mon argent. Sait-on jamais? Sait-on jamais ce qui peut arriver? Et... Bah, y a plus qu'à visiter, en fait, maintenant. Hein, et on verra bien ce qui nous attend. Bonjour. Hey. Ah, mais... Mon grand-père était un domestique. Il travaillait pour la famille qui habite la grande maison au nord de la ville. Donc j'imagine que c'est là-bas que je vais devoir me rendre. Je ne parle pas aux étrangers, sauf s'ils apportent une petite bouteille de cidre. Oh bah écoute, hein. Si j'ai une bouteille de cidre, je la garde pour moi. Alors, est-ce qu'il y a des coffres? D'accord, là c'est une sortie. Et là derrière, apparemment il n'y a rien. Non, hein. Pas de passage secret par hasard? Non. Bon, ok. Dans ce cas, sortons. Ah, mais j'ai du mal encore avec les commandes.
Alors, la grande maison au nord de la ville, oui. Bon, bah, allons au nord de la ville, allons voir. Hop là. Ça doit être là. Bonjour. Quelqu'un? Bonjour. La guerre a-t-elle été déclarée? Je devrais peut-être rentrer chez moi avant qu'il ne soit trop tard. Écoute, tu fais ce que tu veux. Ça m'intéresse pas vraiment, je t'avoue. Bonjour. Alors, je suis pas censé trouver le QG de la résistance, moi? L'Est est mal protégé. Endroit parfait pour s'infiltrer. Hein? Qu'est-ce que vous faites ici? Ne me dérangez pas, je suis en train d'écrire une lettre. Ah, et oui, c'est bien moi, l'homme le plus riche de la ville. Bah, donne-moi ton argent. Il y a toujours un courant d'air dans cette pièce, je te demande d'où il vient. Ah, courant d'air, ça c'est fait exprès pour dire il y a un passage secret. Non mais sors du milieu toi. Voilà. Alors peut-être par là, non. Ouais, il y a forcément un passage secret. Si elle dit qu'il y a un courant d'air, c'est qu'il y a quelque chose que... Bon, tu veux pas bouger par contre? Non mais... Oh! Vous voyez? Vous voyez? Alors c'est peut-être là que j'ai de la résistance. Bonjour. Je vérifie qu'il n'y ait rien dans les bibliothèques, mais apparemment non. C'est quoi, des cellules, ça? Un point de sauvegarde. Bah écoutez, on va sauvegarder. S'ils mettent ça, c'est qu'il y a forcément une raison. À la place du fichier 1. Et là... Oula. Alors là, j'imagine que c'est un jeu où il faut pousser les caisses, peut-être? Non? Non? Ou alors il y a un chemin? Attendez. Par là? Non. Bah, comment je passe alors? Ah, ok. 500 gils, très bien. 1000 gils, encore mieux. Très bien, parfait ça. On peut mettre de la musique? Non? Allez, on dépouille les gens. 1500 gils, parfait, cool. Ça me rembourse beaucoup de ce que j'ai dépensé. Donc ça, c'est très bien. Et... Ah, une vieille horloge, elle s'est arrêtée. D'accord. Taker des kills. Bon, bah, a priori, j'ai dû faire le tour. Et là, peut-être l'horloge. Une vieille horloge, elle fonctionne. Ok, très bien. Donc une qui fonctionne pas, une qui fonctionne, ça va pas changer ma vie, mais bon. Très bien, très bien. Bon, ben les amis, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et on ira voir ce qu'il faut faire dans le prochain épisode. Hein. J'espère que celui-là vous a plu, laissez un petit pouce bleu si c'est le cas, vous le savez maintenant. Et je vous dis rendez-vous très bientôt, salut tout le monde.